62 Jean-Loup à la troisième position. Allez, on va passer à S24. Dernière manche pour ce matin. Allez, c'est parti. On va trouver des périodes de victoire le premier de Tarascon. Fermez les fontaines. Et pour le moment, c'est le 64R Vicourt Jonathan qui a pris la première position. On va trouver Nicolas Page à la troisième position. Et puis il y a des peignards, donc toujours pas de changement en tête du 64R Ricourt Jonathan, suivi du 18D Baral Guillaume et Nicolas Page pour la troisième position. Et en quatrième position, Sanctier Herlet de Cornon. Et on va passer à la deuxième tranche qualificative pour la catégorie pré-licenciée ce matin. Et on vous demande un pays. Et la dernière manche qualificative pour cette matinée. Allez, bon départ toujours de du 64 pour Jonathan de Vitrol, suivi du pilote de Tarascon qu'on va retrouver à la deuxième place. Baral Guillaume, on va aussi avoir Nico Page, Dorse Claude, Sanquier Herlet. Et pour le moment, pas de changement de nom, 64R Vicourt Jonathan. Avec le 18B, Baral, Guillaume, Nico Page, troisième position, 75L, Sanquier, Herlet. Et pour finir la marche, le 13D, Dorse Claude, dans cette race 24. Je vous rappelle, amis, Poussin 2 et Pupinovis, ces quarts de finale sont affichés. Allez, c'est parti pour cette finale, 19 régional 1. Bon départ, comme tous les matchs, par le 64R, Ricourt Jonathan de Vitrol, qui passe la première ligne droite en tête. On va retrouver le pire de Tarascon, Baral Guillaume en deuxième position, Nicolas Page, Pépin Mirabon en troisième position. On retrouve aussi un tête de Cornillon, c'est-à-dire Orléans Santé en quatrième position, et on aura le 13D, c'est-à-dire Dorse Claude de Tarascon Fontaine qui prendra lui la cinquième place. Et pas de changement en tête, si Nico Page fait un beau virage pour reprendre sa deuxième position dans cette dernière manche et finale plus régional 1.